sur une micro-aventure, je crois bien, là. Un petit 60 km à travers l'île de Montréal. Je fais le bilan de mon aventure en Europe, d'Amsterdam à Lisbonne. Je vous dis tout, ça va être une grosse vidéo, dense, beaucoup d'infos. Donc c'est pour ça que j'ai prévu une longue ride pour vous parler de tout ça. On s'en va dans l'ouest de l'île, le long du Saint-Laurent. Donc là, il faut juste un peu traverser la ville. C'est un peu long, mais ça va le faire. On va descendre vers le fleuve. Là, on est au nord de l'île. Et je me rends compte que c'est pas souvent que je vous partage des trucs sur Montréal. Donc c'est parti! Nous sommes au parc Jeanne-Mance ici, sur votre droite. C'est un grand parc. Nous avons le centre-ville là-bas, nous y allons d'ailleurs. En face, nous avons le Mont-Royal, des petits bancs tranquillos. Et on va prendre la piste cyclable à gauche là. Nous sommes sur un 10 degrés aujourd'hui, il fait beau. C'est comme 10 degrés, c'est l'été quoi. Avoir traversé le centre-ville, déjà 10 km de fait, nous arrivons au bord du canal La Chine. On va un peu plus respirer et je vais un peu plus parler à la caméra. Aujourd'hui les amis, nous allons au parc René-Lévesque, qui est le parc à l'ouest de l'île de Montréal. C'est vraiment un beau parc et on longe toute une piste cyclable qui longe le fleuve Saint-Laurent. Donc d'un côté en fait on a parallèle le canal La Chine qu'on va prendre un peu et de l'autre côté on a le fleuve Saint-Laurent. C'est beau, c'est toute beauté. Putain, il est où ce merde de micro là? Ah oui. Ah, là les amis, nous sommes au bord du Saint-Laurent. Il fait pas chaud chaud, j'ai remis la doudoune parce qu'on se pèle le cul. Après tant de mois de retour d'aventure, l'heure est au bilan. Donc je vais vous donner les chiffres, je vais vous donner mon ressenti par rapport à l'aventure. Puisque vous là, vous avez pu voir toutes les vidéos de cette saison 2. Je vous dirais que j'ai eu du mal à me mettre à faire ce bilan. J'ai comme procrastiné longtemps en me disant « Allez, aujourd'hui, c'est la journée, je sors filmer ce bilan. » Puis non, c'est quand même de l'écrire, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je ne veux pas faire le bilan au final de cette aventure? Je ne veux pas que ça se termine, c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose de psychologique là-dessous. J'ai aussi mixé à travers mes réponses toutes les questions que j'ai eues et j'y suis allée par thème. C'est parti. Dans cette saison 2, d'Amsterdam à Lisbonne, j'ai fait 3200 km à vélo.
1900 km en train. ...460 km en autobus, ce n'était pas ma meilleure expérience. ...930 km en covoiturage. Tout au long de l'aventure, donc j'ai atterri à Amsterdam. Je suis en plein milieu d'Amsterdam, de l'aéroport. Je ne sais pas où je vais. Au total de cette aventure, il y a eu 26 nuits en warm shower. Il y a eu 14 nuits en camping, plus 2 nuits en cabane en bois, ça c'était aux Pays-Bas. 17 nuits chez les amis et personnes filmées, 7 nuits en shelter, ça c'était trop génial, 8 nuits en Airbnb, 4 nuits via Booking, donc c'est soit hôtel ou auberge un peu chez l'habitant, 1 nuit en auberge jeunesse, 1 nuit et c'est fini, hein. Ça m'a suffi. Et 15 nuits chez la famille en France. On m'a posé la question de comment j'ai planifié mon aventure. On va commencer par le début de la planification. Quand j'ai pensé à cette aventure au début, c'était pas Amsterdam-Lisbonne que je voulais faire. C'était arriver à Dublin et faire Irlande, Angleterre et ensuite descendre dans le sud. Mais finalement, ça a changé petit à petit, plusieurs mois à l'avance. J'ai peaufiné tout ça. Je pense qu'il y a une préparation de un bon 6 mois à l'avance, ouais, 6-8 mois. Donc ça a été déjà niveau matos, savoir faire une liste de ce que j'ai besoin et acheter au fur et à mesure des mois, quoi. On va parler de l'itinéraire. Quand j'ai décidé que je partais d'Amsterdam, je me suis dit « ok ». Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un itinéraire grossier, me mettant dans la tête les noms des villages et des villes, pour déjà que j'ai une idée, que je repère, parce qu'il y a des noms en néerlandais que je ne sais pas où c'est. Et donc, pour faire cette planification, j'ai utilisé un site web qui s'appelle Bérouteur. Et en fait, ça m'a trop aidé. En fait, sur Bérouteur, je pouvais savoir c'est quoi mon dénivelé. Donc en fait, je m'étais « ok, je pars d'Amsterdam cette journée-là ». C'est quoi ma prochaine ville? Et j'ai fait ça en fait pour chaque truc. Alors je l'ai pas fait, après je l'ai pas suivi à la lettre pendant l'aventure. Mais en fait ça m'a aidé à me situer pour donner une date aux personnes que j'allais filmer. Pour leur dire, ok, je pense que je pourrais être chez toi, mettons ce week-end là, est-ce que tu penses que ça serait possible? Ça se peut que ça bouge parce que c'est un voyage à vélo puis qu'on sait pas là. J'ai froid aux mains, j'ai froid aux mains. Est-ce qu'on mangerait pas un petit chocolat là? Putain. C'est pas gagné le bilan. Bon, je partais pas tant à l'arrache que ça. Enfin, ça m'a sécurisé aussi parce que c'était le premier voyage que je faisais hors du Canada, hors du pays où j'habite. Le troisième point dans la préparation, ça a été la recherche de contacts. J'avais aucun réseau. Autant au Québec, ben, c'est là où j'ai ma vie, donc j'ai des connexions. Mais en Europe, j'en ai pas. J'en ai pas sur des itinéraires, sur des projets. Donc il a fallu que je fasse des recherches, que je lise des blogs en anglais, en néerlandais. J'avais aussi un dossier de présentation que j'avais fait et je lui ai expliqué dans le courriel qui j'étais, c'était quoi mon intention, est-ce qu'elle serait correcte d'être filmée pour mon projet. Je précisais aux gens aussi que je ne voulais pas qu'ils changent de choses à leur quotidien. Moi, mon objectif, c'est de les suivre dans leur vie. Et je leur demandais aussi s'ils avaient un bout de terrain aussi pour que je plante ma tente. Pour m'accueillir pendant 2-3 jours, voilà. Dans toutes les demandes que j'ai envoyées, j'ai eu peut-être 1 ou 2 refus. Et je me disais, mais là, ça va pas marcher. Franchement, il n'y a personne qui va me répondre. Les gens, ils vont me dire, là, mais non, tu peux pas rester chez nous dormir. C'était plus ça, c'était parce que j'ai toujours peur d'embêter les gens. Alors, j'ai toujours peur que les gens refusent. Mais j'ai quand même envoyé, là. Et à mon grand étonnement, j'ai eu plein de réponses positives. Et j'ai eu aussi des réponses en route. Donc, j'ai adapté mon emploi du temps en voyage, quoi. Pour finir ce paragraphe de préparation avant le voyage, je veux vous dire aussi que j'ai pris une assurance voyage. C'est une assurance française qui me couvrait aussi pour l'Europe. J'avais aussi une carte SIM pour le téléphone, une carte SIM française avec un forfait free, illimité, des gigas, je ne sais plus combien j'avais, du giga, peut-être 25 gigas, je ne sais pas. Et c'était just à la fin du mois. La dernière étape avant de partir, ça a été la recherche d'un endroit où dormir à Amsterdam. Grâce à Johanna et Paola, je suis restée 3 jours à Amsterdam chez elles. J'ai pu me reposer du décalage, j'ai pu être bien accueillie pour le début du voyage. Franchement, ça a parti le truc direct. Donc ça, c'est top d'avoir
soit un petit hôtel sympa pour commencer le voyage, mais de partir dans des bonnes conditions, je pense que ça, c'est vraiment important. Et ça m'a aidé à tout de suite avoir d'énergie, à me dire ouais, c'est trop génial, et prendre le temps de découvrir la ville. Comme vous l'avez vu avec Paola, elle est allée me faire rencontrer des initiatives. J'adore rencontrer des gens et j'adore être dans des villes avec des rencontres de gens. Pas la suite du bilan là, un peu là, en vélo, une fois en route, comment j'ai organisé tout ça, comment j'ai organisé les hébergements, comment je réservais. Et bien en fait les amigos, pour tout vous dire, je réservais au fur et à mesure. Des fois c'était la veille, des fois c'était 2-3 jours, mais je vous dirais 2 jours max, j'aimais bien avoir 2 jours d'avance, mais des fois je savais pas parce que soit c'était un peu des coins paumés, je savais pas trop où j'allais dormir, soit je faisais des petits dangers comme ça, je me disais ouh, je sais pas où je dors ce soir, waouh, ça fait un peu flipper quand même. Puis des fois il y avait personne qui me répondait. En fait, quand j'écrivais sur Warm Shower, j'écrivais à plusieurs personnes qui m'inspiraient, et si j'avais pas de réponse la journée même parce que je m'y étais pris un peu tard, ben en fait j'avais toujours un camping ou une option Airbnb booking, mais souvent j'essayais de voir un camping pas trop loin si jamais. Des fois c'est pas vraiment le cas, mais ça me rassurait à l'intérieur. Des fois la vie est bien faite, il y a des rencontres improvisées et c'est assez surprenant, comme juste qu'il y a ce village de mini maisons. Il y en a eu plein. Il y a eu des rencontres Brompton sur la route. Par exemple, quand j'ai filmé le jardin à Amsterdam, au milieu de la ville, il m'avait dit oui, tu peux passer, mais je savais pas s'il y avait quelqu'un qui allait être là pour que je puisse l'interviewer en fait. Donc il y avait une personne qui était là et je l'ai interviewée, elle était ok. Donc en fait, des fois, je sais pas, les choses elles se mettent en place quoi. C'est assez bizarre à dire. Et là, je pense à un truc, je me dis en fait, par exemple, Hans Peter, qui. Comme vous l'avez vu, il nous a quittés, j'ai vécu en mini-maison en Allemagne. Si j'aurais fait ce voyage cette année, je l'aurais pas connu en Spitter. Donc c'est pour vous dire que des fois il y a des rencontres comme ça, des moments où il faut faire les choses. Là il y a des gens qui font du surf. Mais c'est où ils font du surf, mais il fait trop froid. Oh my god, regardez. Mais ça doit être à combien l'eau? My goodness. Il y a un autre mariage ici. C'est le jour des mariages, mais c'est la journée idéale. Il fait 10 degrés. Pour se marier, c'est parfait ça, 10 degrés. Petit jupon, petit débardeur. Moi je dis, on est bien, qu'est-ce qu'il y a? Allez, les limousines là. Allez, la limousine, il y en a deux. C'est beau là. Allez, la petite chaise longue des familles là. Les amis gosses, on continue le bilan. On va parler du matériel. On va demander si j'ai eu des problèmes. Mécanique, je n'en ai eu aucun. Zéro, peanut, walou. Franchement, je touche du bois, ça n'en est pas ça. Mais j'ai aucune crevaison. Et par contre, et c'est pas faute de. J'ai prié beaucoup sur les chemins au Portugal. Honnêtement, des fois, il y avait des cailloux, il y avait des. Je sais pas par où je suis passée. Et je priais, je me disais, faites que je ne crève pas là, au milieu de nulle part. Et c'est toujours passé. Donc, les amis, priez. C'est la solution. C'est pas compliqué de démonter la roue arrière du Brompton, mais ça prend toujours un peu de temps.
Donc voilà, mais les pneus marathon plus, honnêtement. Alors que c'est sûr qu'ils alourdissent le vélo, on peut trouver plein de choses à ces pneus, mais honnêtement, c'est trop génial quoi. Ma GoPro, l'écran arrière s'est brisé parce que j'avais mis le mauvais trépied. Et donc le membre du trépied s'est cassé, ce qui a fait tomber la GoPro. Donc l'écran arrière s'est brisé, elle a tenu le choc quand même, avec des petits on and off de temps en temps. Petit bug, je savais qu'il allait tomber, chouchou. Le sac à l'arrière, parlons du sac à l'arrière. Avec le petit, la petite barre fait maison qui s'accrochait à la selle, c'était trop bien. Très facile de l'installer, de l'enlever. Franchement, ça prend pas de temps. C'était quand même assez stable. Des fois, il balançait à droite et à gauche, donc il fallait que je m'arrête pour le remettre. Mais ça, c'est parce que je l'avais mal fixé. Voilà. Mais sinon, très stable. Honnêtement, à part le poids que je sentais, évidemment, j'ai eu aucun souci. Et quand je pédalais, je touchais pas le sac. La barre. Et j'ai 4 velcro que j'attache directement à la selle. C'est pas fantastique, ça. C'est du génie. Hop. On le serre. Ça a l'air de tenir. Hein, ça donne ça. Aussi, ce que je pourrais dire à propos de ce sac, c'est que il n'est pas vraiment waterproof. Le fond du sac, l'eau passe à travers, on comprend pas. Donc j'ai mis au fond du sac un sac poubelle. Et après, j'ai mis mes affaires par-dessus pour être sûr que voilà, il n'y avait pas de soucis. C'est bien parce que c'est un sac, donc 40 litres qui s'étend à 60, mais ce truc-là, c'est un peu nul, quoi. Les amis, je vais vous dévoiler du matériel de camping que j'ai utilisé pour mon voyage en Europe. On commence par la tente. C'est une tente de chez Mountain Equipment Co-op. Oh, c'est pas tendu ça. Attendez, ce modèle là, ils la font plus. C'est la Volt 2. Ils en font d'autres qui ressemblent. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est légère. Honnêtement, ça fait vraiment longtemps que je l'utilise et j'ai eu aucun problème d'imperméabilité. La seule chose qui est chiante, c'est les piquets. Les piquets, ils dépassent. Ça, c'est un peu pénible quand on veut paqueter ça sur le vélo parce que ça va toujours dépasser à un moment. Donc c'est juste ça, mais sinon je l'adore cette tente, honnêtement. Un petit coussin gonflable qui ne prend pas de place. Tout simplement. Voilà. Bon, le confort. C'est médium, mais ça va. Ça le fait quand même. Je voulais quand même que ce soit confortable. Bien dormir sur un bon matelas qui ne prend pas de place. Et donc, Thermarest quoi. Thermarest, c'est tout. Et je voulais qu'il soit aussi très isolant du sol. Lui, c'est le NeoAir Xterm. C'est cote d'isolation 6.9, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est-à-dire qu'il peut s'utiliser même en hiver. Regardez, on dort comme à la maison là-dedans. Hein, c'est trop bien. Le duvet. Voilà, très léger. C'est le Neutrino 400W de Rab. J'ai mis du temps avant de trouver le bon duvet. Je voulais prendre une marque qui s'engage pour l'environnement, qui a des certifications, qui n'utilise pas de produits chimiques, avec une traçabilité sur les duvets. Doigts. Donc, j'ai trouvé Rab. Ce sac de couchage-là est fabriqué au Royaume-Uni. Au niveau de la température, on est sur un moins 7
degrés. C'est sûr que des fois c'était un peu juste au Danemark. Je pense qu'avec une bouillotte chaude et puis être pas trop habillé, c'est ça que j'ai appris aussi, de pas trop s'habiller dans le duvet, ben ça change des choses. Voilà, c'est le conseil qu'on m'a donné. Les amis, je voulais vous montrer une astuce qui m'aide beaucoup. Chez Sben, là où je suis, dans l'appartement, je sais pas, le chauffage, il marche pas. Donc du coup, il fait pas chaud parce qu'il fait comme 10 degrés dehors. Du coup, je voulais vous montrer quelque chose de très utile si jamais ça vous arrive. Donc il vous faut une Nalgene, une gourde de ce type parce que ça peut supporter l'eau chaude. Ensuite, il vous faut de l'eau chaude, évidemment. Vous prenez votre bouilloire ou votre eau chaude et vous la transversez dans la Nalgene. Et maintenant, les amis, vous avez une bonne bouillotte que vous allez pouvoir insérer dans votre sleeping bag, dans votre sac de couchage. Et on peut même le mettre à l'avance, comme ça, quand on rentre dans le sac de couchage, c'est chaud. Ah, that's it. Salut. Mon kit de cuisine consiste à une casserole, toujours GSI, j'adore. C'est avec une petite assiette. Et ce que je voulais aussi, c'est avoir une poêle. Et en même temps, ça fait couvercle. Donc ça, c'est parfait. Nous avons en plus une petite éponge faite à la main par ma maman. Nous avons... Ce n'est pas nécessaire d'avoir les deux. C'est une petite éponge pour gratter qui peut être aussi pratique. Toujours fait à la main par ma maman. Tout simplement. Ni vu ni connu, je t'embrouille. De pinot avec des carottes. Et ben c'est très bon. Tenez-le vous le pour dit. On finit par mettre les petites canneberges. Je vais pouvoir jouer. Un petit pain tomato. Il s'agit d'écraser la tomate sur le pain. Avant de mettre le serrano, on met un peu d'huile et ensuite on met un peu de sel. Bon, on peut y aller, hein. Après, on met le serrano. Si je mets du saucisson avec du chocolat, est-ce que ça va être bon? Je vais pas manger pour rien. Les amis, je me suis fait des pâtes au thon. C'est trop bon. La chaise tient seulement là-dedans. On le plie un peu n'importe comment. Ensuite, les panneaux. Voilà. That's it. That's all. Basketball. Je vous présente quelque chose que j'utilise très souvent. Citrus Humide. Pocket Towel. Recycle. Polyester. X large, c'est trop bien. Ça, c'est génial. Ça prend pas de place, ça sèche hyper vite, ça sèche et ça sert de cap aussi. Cool, hein? Une petite laine en cas de température hivernale, évidemment. Se protéger des moustiques, pas de problème. On peut le mettre sur la tête comme ça. Et accessoirement, ça aide à se sécher quand on prend la douche. Voilà, je l'adore, ça sèche très vite. On le met sur le toit de la tente. Quand on a fini, ça sèche. S'il pleut, ça met plus de temps. Pour la partie imperméable, j'avais un pantalon comme ça. J'avais une veste Gore-Tex. Patagonia. Hop là.
Et aussi, pour finir, le fameux plancho de Cleverwood, qui est une marque américaine faite aux États-Unis, qui m'ont gentiment envoyé pour tester pendant mon aventure, que je conseille fortement. Et quand on pédale, ce qui est bien, c'est que ça protège un peu les pieds. En fait, ça, ce qui est bien, c'est qu'on met le casque par-dessus, donc on est bien protégé, et ça fait une deuxième cape avec la serviette de toilette. Ah, je vais vomir. Oh non, faut pas que je fasse ça. Pas bien là, sérieusement. On va se mettre un peu de sucrose dans le café. Hop là. Bon, 2 cuillères, on est bon. Eh, les amis, attendez, le clou du spectacle. Est-ce que je filme déjà? Je suis allée à la boulangerie. Petit marbré. Petit pain au chocolat. Voilà. Et on fait le bilan calmement. Bon. Comme souvent, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Mais Aurélie, t'étais toute seule, t'as pas eu peur, on sait jamais ce qui peut t'arriver dans les villes et tout ça. » Et en fait, c'est une crainte que je n'avais pas. Quand je suis partie, la peur que quelqu'un m'agresse par exemple. Je dirais que la peur première, c'était plus « Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable ?» C'était plus en vis-à-vis de moi finalement.
est-ce que je suis capable de finir chacune de mes journées pour arriver à mon objectif en fait. Quand il y avait des montées au Portugal ou il y allait avoir du dénivelé, je me disais oh là là. Et au final, ton corps il a tellement pris l'habitude que t'as même pas de questions à te poser en fait. Allez chouchou. Oh, putain. Allez, ça descend là après. Oh, on l'a fait putain. Ah, oh, je vais pleurer. Donc c'est vraiment mental. C'est vraiment mental. Donc j'essaie de trouver plein de stratégies sur le chemin pour arriver à pas croire ça, pas croire ces histoires qui se racontent dans ma tête. Et donc je me disais ok, ben là je vais faire 20, puis je vais voir comment je me sens. Après 20, on va voir comment. Donc c'est comme ok, là j'ai fait 20, waouh, trop super. Peut-être que je peux en faire 20 de plus au lieu de me dire je vais faire 80 km d'un coup. Et ça, ça m'aidait à me rassurer. Donc j'essayais de trouver des petites choses comme une petite boîte à outils pour moi, pour me rassurer dans ces moments-là, parce que j'adore faire ces voyages toute seule. Des fois, on me dit, ah, tu voudrais pas le partager avec quelqu'un. Et au fond, je pense que j'aimerais bien un jour, mais j'adore tellement le faire toute seule, parce que tu apprends tellement sur toi. C'est inimaginable la quantité de choses que j'ai apprises sur moi. La confiance qui s'est développée sur des choses que je ne savais même pas. Comment on gère tout ça, comment on gère ces pensées-là. On n'a que sur soi à compter, même si ma mère savait chaque jour où j'étais et que je pouvais informer des amis, etc. Et c'est ça que j'aime en fait. Les amis, on se fait une partie du bilan avec ma mère qui est là à Montréal. Alors j'en profite qu'elle soit là parce que j'avais des questions à lui poser. Ben moi, je me demandais parce que des fois, j'entends la question, oh là là, mais déjà on t'a déjà posé d'ailleurs la question, t'as pas été inquiète, trop inquiète quand ta fille elle est partie, nanana. Oui, oh là là, mais c'est dangereux, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tous les gens, tout le monde. Ouais. Et du coup je me dis, mais toi, quand par exemple, voilà, je t'ai dit que j'allais faire ça, etc., à travers l'Europe, ça a été quoi ta première réaction, quoi? J'ai eu une petite interrogation, j'ai eu un petit peu peur, c'est vrai, mais ça s'est dissipé rapidement. Ouais. Rapidement. Parce que je sais comment tu fonctionnes. Tu dis je suis là, je fais ça, je suis le voyage en live. C'est super. Et j'ai dit bon, confiance, mais j'ai à dire confiance avec toi. Et j'étais très heureuse que tu fasses cette aventure parce que. Voilà, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, mais tous les jours, j'étais en haleine. Ah, demain, ça sera quoi? C'est comme dans un film d'aventure. Merci de m'avoir encouragée tout au long de cette aventure. Oui, avec joie, avec mon cœur et toute mon énergie. Et comme ça te prépare pour la prochaine? Oui, ben, certainement, mais oui. Oh, mais c'est tellement bon, ce pain au chocolat, et non pas cette chocolatine. Non mais moi le petit café au bord de l'eau avec le coucher du soleil, il n'y a personne, mais j'adore. Moi j'adore filmer des vidéos où il n'y a personne. En fait, GSI, ça c'est pour une personne, le petit expresso, j'ai trouvé ça trop mignon. Mais ils le font aussi pour 4 personnes. Ça peut avoir le coup des fois que t'es avec des amis, tu fais ça tranquillos. J'adore faire ça. J'ai dit que j'adorais ou pas, je sais pas. Je me régale, j'ai l'impression d'être en aventure alors que je suis à Montréal. Je suis au milieu du parc, je suis au milieu de la nature, je suis devant le Saint-Laurent. Coucher de soleil. That's it, that's all. Une autre peur que j'avais aussi, c'est au Portugal, c'était les chiens errants. Et il y en a beaucoup. Ça m'est déjà arrivé que le chien il commence à courir après le vélo. Donc à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le sifflet que j'ai et je l'ai mis dans ma poche de devant si jamais je devais... comme siffler d'un coup, je sais pas, j'ai jamais eu à m'en servir. Finalement, j'ai comme pédalé plus vite que le chien. Voilà, mais après, j'ai pas fait de mauvaises rencontres. Si, admettons, il serait arrivé que je me sente pas bien à l'aise avec la personne du tout, je m'étais vraiment fait la promesse de me dire je prends mes affaires et je m'en vais. Parce que je trouve que c'est sain de faire ça. C'est s'écouter aussi et c'est se dire ben, je prends soin de moi, si je suis pas bien, ben, je prends mes affaires et ciao, bye, quoi. Mais ça m'est pas arrivé. Et je pense que avant, je l'aurais pas fait. Avant, j'aurais subi peut-être une situation où, je sais pas, il peut y avoir des trucs weird. Selon moi, on n'est pas là pour se faire chier, on n'a qu'une vie. Et c'est pour se la rendre belle. Voilà, tel est mon mantra, les amigos.
Mon petit café est en train de refroidir. Les amis, avant que je sois complètement dans le noir, je finirai par les voitures. Avant ce voyage, je cohabitais avec les voitures mieux. Je ne me posais pas tant la question qu'il pourrait m'arriver quelque chose. Mais c'était pas une peur que j'avais, j'avais pas une boule au ventre. Mais depuis le voyage, ben c'est resté, j'ai un traumatisme. Et maintenant, sur des grosses routes, même si il y a de l'accotement, j'ai peur. J'ai une boule au ventre, je suis pas bien. Il faut que je travaille ça. Mais j'ai été traumatisée, honnêtement. En Espagne, il y a de l'accotement sur la route, donc ça fait que j'ai eu moins peur. C'est au Portugal que j'ai vraiment, vous l'avez vu dans les vidéos, ce qui fait que ça fait grave flipper parce que les gens, ils s'écartent pas tant en fait. Ils s'écartent, il y en a qui s'écartent pas du tout, genre les bus. Quand je voyais des routes où je voyais des panneaux de bus, je me disais putain, il y a des bus qui vont passer. Ils te rasent quoi, honnêtement. Mais à plusieurs moments, je me suis dit mais c'est fini quoi. Ah, le bus, ça fait deux fois qu'il me rase. J'en ai marre de ces bus de merde. Putain de bordel de cul. Le bus, moi je fais un truc comme ça, admettons, pour je fasse un détour sur la route pour éviter quelque chose. Mais c'était terminado pour moi, quoi. Et je pense qu'au Portugal, les gens peut-être sont moins habitués à voir des cyclistes. Et d'ailleurs, j'ai des retours de cyclistes qui ont vécu la même chose là-bas, donc faut vraiment faire attention, ouais. Et avoir un miroir, surtout ne pas faire comme moi, voilà. Mes amis, je finis mon petit bout de gâteau et on se rentre tranquillement à la maison. On peut continuer à parler? On est bien là? Vous êtes bien ou pas vous? Bon, 30 km encore, plein de choses à vous dire. Bon, ça sera un peu iso avec du grain. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va rendre à la GoPro, mais... grave, tant que vous m'entendez dire des conneries, c'est essentiel. Je voulais aussi dire, mais je vais le redire plein de fois, je me sens entourée d'une belle communauté. Déjà pour l'aventure au Québec, mais là, la communauté a grossi. Pour l'aventure en Europe, il y a des gens qui ont suivi l'aventure, comme j'ai pas posté de vidéo pendant plusieurs mois. Les gens ont suivi l'aventure sur Facebook, je faisais un post tous les jours ou tous les deux, trois jours sur Facebook. Les gens ont... mais certains d'entre vous ont suivi comme ça. C'était ma façon à moi de vous partager. Je postais des souris presque tous les jours. Et je me sens vraiment bien entourée. D'ailleurs, quand je parle à ma caméra, ben, je parle à des amis, quoi. Et parce que je sais que c'est ça. Et il y a beaucoup de bienveillance. Même dans les retours, même dans les gens qui me contactent. C'est bon enfant, hein. Je me vois faire un apéro, organiser un événement apéro Brompton. Eh, ça serait pas cool, sérieux? Ah, les fiestas là. Et ça embellit ma vie. Gratitude pour les gens qui me contactent. J'ai des gens qui me contactent sur Insta, sur Messenger et YouTube aussi. Parce que soit ils ont des questions parce qu'ils veulent acheter leur premier Brompton, ou qu'ils se disent ben moi je partirais bien en aventure avec mon Brompton, mais j'ai jamais fait ça. En me disant que ces aventures-là, ça les inspire. Mais merci. Mais merci, je suis trop contente. Honnêtement, ça me remplit de joie que des gens m'écrivent ça. Pourquoi en montée? Putain, comme le Brompton, il faut changer les vitesses à l'arrêt. Je suis jamais préparée. Forcément, là, il y a une montée. J'étais en combien? En troisième. Ou en quatrième ou en cinquième, je sais plus. Ouf. Je comprends pas trop ces vitesses. Où je dois aller là? Je n'ai pas de mots, je ne sais pas comment conclure ce bilan. Si je dis merci, c'est pas assez. Comment on dit merci à quelque chose qui est plus grand que qu'on reçoit beaucoup? Je sais pas. Mais merci. 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 Merci pour tous les amis. Merci aux gens qui m'ont accueilli. Ah, vraiment, j'ai beaucoup de gratitude autant pour les gens qui ont accepté que je les filme chez eux.
m'ont contacté en route pour pédaler avec moi. Christian, mon ami, et aussi l'autre Christian avec qui on a pédalé en Allemagne le long de la route du Rhin. Aussi les rencontres improvisées, les gens qui m'ont hébergé via Warm Shower, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Finalement, ce que je retiens, c'est que voilà, même si j'ai flippé de demander aux gens, c'est en demandant en fait. Là, je vais vous sortir la phrase. Demandez, vous recevrez. Voilà, il fallait que je la sorte. Et il y a des mantras dans ce bilan. Je vous le... C'est incroyable. Je pourrais écrire un livre de mantras aussi. Bon, est-ce qu'on mettrait pas un peu le turbo là? Je sens qu'il y a un petit ralentissement, hein, chouchou. Qu'est-ce que tu... Il est 18h50, mais c'est l'heure de l'apéro. Allez, là, moi je suis partie, je suis en roue libre. Hein. Quand on rentre de voyage à vélo, mais ma foi, en l'humanité, mais elle a triplé, quadruplé, cinquuplé, sextuplé, je sais pas comment on dit. Et c'est pour ça que je ne regarde plus les nouvelles. Mais parce que ça me déprime. Et pour moi, les voyages à vélo, c'est aussi ma façon de tenir le coup, de me dire, mais qu'est-ce qui se fait de beau? Qui je pourrais aller interviewer? Qui essaye à son niveau de bouger quelque chose, de réfléchir sur sa vie, de se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas ça le sens de la vie? Non, là, je vous ai dit, j'étais en roue libre. Là, c'est bon. Ah là là, ça me fait du bien, non? Amis, on est sur un 52,01 km pour cette journée. Pour finir ensemble ce bilan à la bonne franquette, à la cool, à la maison, je voulais rajouter des choses que j'ai pas dites dans cette vidéo. On m'a d'abord demandé combien ça m'avait coûté cette aventure par jour, donc hors billet d'avion et hors matériel, en incluant les trains, l'hébergement, nourriture, ça m'a coûté environ entre 20 et 30 dollars canadiens par jour. Ce qui fait environ 15 à 20 euros. C'est un calcul très approximatif. Niveau matos, pour la prochaine aventure, je vais essayer de partir plus légère. Là, j'avais un sac de 40 litres qui s'étend à 60 litres. Et j'avais du mal à stocker la bouffe parce que j'avais aussi pas mal de choses dans la première partie de l'aventure. Avant de laisser des affaires chez mes parents en France, j'avais beaucoup de choses. Et je pense que je ferai la liste aussi de ce que j'ai pas utilisé dans cette aventure et je ne le reprendrai pas pour la nouvelle, par exemple. Je vais faire des tests avant parce que j'envisage d'avoir un autre setup pour la prochaine aventure. Il y a eu environ 10 portraits inspirants qui ont été partagés pendant cette saison 2. La plupart étaient des interviews en anglais. Mon anglais, avant de partir, n'était pas fameux. J'ai pris des cours. J'ai pratiqué parce que je savais que j'allais devoir faire des interviews en anglais. Et au bout de quelques mois en Europe, j'ai vu que mon anglais s'améliorait de fou. Et vraiment, je pense que l'immersion, mais ça, c'est juste incroyable. J'ai fait aussi une interview en espagnol. C'est une foirade parce que je ne parle pas espagnol, mais on a réussi à se comprendre. Et c'est ça le principal, en fait. Des fois, il faut faire les choses parce que c'est le bon moment. J'ai l'impression que ce voyage, il a magnifiquement bien commencé. J'ai été accueillie magnifiquement bien à Amsterdam. Et j'ai fini ce voyage magnifiquement bien accueillie à Lisbonne. Alors oui, il y a eu des moments plus difficiles, mentalement parlant. J'aime pousser mon vélo dans le sable. Allez, on dégage de là, là. Je veux sortir de là. La route est là-bas. Je sais pas comment je vais faire. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je suis tannée là. Il y a eu des moments plus challengeants avec moi-même parce que j'étais fatiguée, parce que ce voyage aussi c'est filmé en permanence. Quand j'ai fini ce voyage, j'étais fatiguée. J'avais besoin de me reposer. J'étais contente de retrouver ma famille que j'avais pas vue depuis 2 ans. Vraiment passer les fêtes avec eux avant de repartir pour le Canada. Est-ce qu'on parle du retour? Le retour d'aventure, pour moi, c'est un sujet important parce que c'est un sujet pas facile. Le retour de cette aventure, ça a été difficile, ça a été tough. J'ai mis 6 mois à m'en remettre, honnêtement.
T'es constamment à l'extérieur, tu captes l'énergie des gens qui te boostent, qui te remotivent, tu vois des paysages, tu fais des interviews. C'est riche, il y a tellement de choses. Et tu rentres chez toi, t'arrives comme ça, il neige, c'est l'hiver. Et tu poses tes affaires, t'es dans le noir, ton appart il est noir. Et t'as juste le goût de pleurer, sérieusement. Je te dis, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et petit à petit, les choses se font, le quotidien revient et petit à petit, on remonte la pente. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile de me dire, mais je fais quoi de cette énergie que j'ai à l'intérieur, cette adrénaline que j'ai en moi, en fait? J'avais tellement d'énergie que je ne savais pas quoi faire de tout ça, en fait. Donc, il fallait que je sorte, il fallait que je fasse du sport à l'intérieur, il fallait que je fasse des choses. Et je pense qu'il aide aussi, c'est d'avoir un projet à venir, quelque chose qui nous motive. Pour moi, ça a été aussi les vidéos. Pendant un an, j'ai sorti ces vidéos, donc j'ai revécu l'aventure une deuxième fois avec vous. Maintenant, les amis, je vous propose qu'on se regarde quelques petits extraits des meilleurs moments de cette aventure. C'est parti. Au milieu d'un rond-point. Oh, c'est la première fois que j'en vois une. C'est pas un vélo de Playmobil. Alors ça, un T, c'est vraiment réconfortant. Mais pas la lettre T. Les amis, le camping, il est fermé. Mais c'est pas grave. On va se mettre ici pareil. J'ai décidé. Là, la grande question, c'est Aurélie, est-ce que tu repars pour une prochaine aventure? Évidemment, évidemment qu'il y aura une saison 3. Dès que ça sera prêt, je vous en parlerai, évidemment. On repart, on prend les mêmes et on recommence. On va s'amuser. J'ai hâte de me régaler avec vous. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche et aussi le pouce et tutti quanti. Je vous dis à bientôt pour la prochaine aventure sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! Ah les amis, j'avais un dernier message à faire passer. Si jamais dans votre entourage, on vous dit « Mais ce projet, il est trop gros, mais tu peux pas le faire, et cette aventure, et t'es pas capable. » Allez-y pareil. Si vous êtes une femme toute seule et qu'on vous dit « Mais comment tu vas faire, et au secours, et qu'est-ce qui va t'arriver sur place, et je sais pas, et on sait jamais, et c'est dangereux, mais pense à ci, pense à ça. » Allez-y pareil, foutez-vous-en, c'est le plus important. That's it. Ciao. Oh là là, trop mignon. Oh, j'adore. On va aller voir si les toilettes sont ouvertes déjà. Oui, il y a du compost. Ah non, mais je reste là, moi, c'est trop bien. Regardez-moi ces petits refuges. Oh non, mais c'est génial. Voilà. Et du bois. On a du bois en mouse. Mais non, c'est ouf. Mais c'est dingue. Le soleil vient de se lever. Je sais pas pourquoi j'ai chanté cette chanson. Ça n'a aucun sens. Il est 18h. Ça n'a aucun sens. Ici, c'est la salle de bain. Bon, ma foi, on a tout ce qu'il faut. On a un robinet. On fait dans le rustique.